Donc je suis à Lidl. Oui, comme d'habitude. Hein. Quand c'est pas Lidl, c'est Leclerc. Alors. Bon, je vais terminer mon chocolat en poudre, donc là je vais rien prendre. Ça c'est très bon. Celui-là il est très bon. 2,50 €. Mais celui-là, en tout cas moi j'aime bien. Donc chocolat noir, ouais, mais bon, c'est trop noir. Ouais, le goût, quand c'est trop noir, j'ai du mal à le manger, quoi. Bon, les fleurs, les cactés, tout ça, j'en ai. Ça, j'en ai. Galette céréales. Alors tout ce qui est galette comme ça, il faut mettre une sauce à côté, hein, par exemple une crème de soja. Il faut mettre quelque chose, sinon c'est très sec à manger. D'accord. Il faut toujours mettre quelque chose, une sauce, tomate, ce que vous voulez à manger avec, sans ça. Donc c'est 2,35 €. Donc 2,35 €. Ah, celui-là il n'est pas à son rayon. Bon, je vais pas ranger tous les rayons, mais hop. Bon, des pâtes j'en ai. Mais sinon vous avez des raviolis végétariennes. 2,65 €. Mmh, ça c'est trop bon. Mais bon, j'ai plein de pâtes encore chez moi. Donc tout ça pour le salon, ça pour le salon. Ça je me rappelle, c'était trop bon. Ça, qu'est-ce que c'était? J'en achète plus parce que c'est vachement trop sucré. Ça c'est une catastrophe pour avoir beaucoup de temps. Alors noix de cajou, 6 €. Voilà. Ceux-là, ils sont petits, mais ils sont salés, hein. Grillés, salés, non, je ne veux pas. Salés, non. Ça aussi, qu'est-ce que j'ai mangé de ça, mais j'en mange plus. Ça aussi, j'adore ça, mais j'en achète plus. Non, il y a plein de choses que j'ai arrêté. Bon, alors, pour l'instant, ça, j'ai pas arrêté. Je vais en prendre un comme ça. Un comme ça. Je
J'ai revu, mais j'ai pas arrêté. Ah, celui-là en bas. Je vais en prendre deux. Je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a plein de choses que j'arrête de manger parce que sinon. Sinon, ça fait grossir. Bon, on ne dépâte jamais, donc il faut que j'arrête mes conneries. Bon, sinon, j'achète toujours des pâtes, mais j'en ai toujours. Je vais finir d'abord ce que j'ai au frigidaire. Donc, j'ai ça. Alors, on va faire un petit tour. Faire à repasser. J'en ai. Ah, ça c'est joli l'étagère, un escalier pour planter. C'est joli. Ah ouais. Aspirateur. Bébé, non pas bébé à vendre, hein. Veste bébé, hein. Tapis de jeu pour bébé. Alors, pour les hommes, tondeuse. Non, pas tondeuse à gazon. Ah. Film pour vitrage. Ça, c'est très bien quand vous n'avez pas envie de voir les gens dehors et que les gens vous voient. Les films pour vitrage, c'est très, très bien. Non. Désolée. Bonne journée. Armoire en textile. Tapis de voiture. Projecteur solaire. Parure de lit. Oh, joli celui-là aussi. Ah, moi j'ai ça. J'ai ça moi. J'en ai un de la même couleur que ça. Ouais. J'en ai un comme ça. Et ça c'est quoi? Parure de lit. D'accord. Après, je sors pas avec dehors, hein, des trucs comme ça, parce que bon, les bras, c'est pas joli. Et mes jambes, ben, elles sont pas fines, quoi, hein. C'est des poteaux, elles sont horribles. Donc, quand on a des jambes horribles, on ne sort pas avec des trucs comme ça. Voilà. Lampe de travail, LED. Voilà. T-shirt. Des jeans. Un chariot de transport. Tapis d'éveil bébé. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. 22 euros. Alors là, il en reste un. Si jamais vous en voulez qu'il n'en reste plus, il faut demander à quelqu'un au magasin. Des fois ils en ont derrière, d'accord. Voilà, quand vous trouvez pas ce que vous voulez, il faut demander.
Alors, valise renforcée. On peut l'ouvrir ou pas? Non, il faut des codes, je crois. Bon, écoutez, il y a une valise renforcée. Ah, ça y est. Ça y est. Comment elle est... Ah, voilà. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne à l'heure. L'aspirateur sans fil. Vous avez le petit et le grand. Ça c'est bien aussi. Super culotte. Ah, elle est là. Ah non, ça c'est une robe. Elle a été enlevée de... C'est quoi ça? J'adore le blanc, moi. C'est salissant, mais... Ah oui, non, mais ça, c'est pas pour moi. Vu les jambes que j'ai, les mollets que j'ai. Donc là, il y a du XL. Donc, pour toutes les personnes très grosses, quoi, vous pouvez l'acheter. Ben oui, hein, c'est pas du S. Hein, c'est du XL. Donc, voilà, ça c'est pour moi. Voilà, parce que c'est mon cas. Mais moi je crois que maintenant c'est du L. Hein. Alors entre du S et du XL. Hein, elle est jolie cette robe. Elle a bien pris. Alors ça c'est super, les bois de conservation pour un oignon, quand vous achetez qu'un oignon par exemple. Un citron. Du fromage. Oui, mais moi j'en ai. Pour le fromage, j'ai un truc un petit odeur. Comme ça, ça sent pas mauvais dans mon frigidaire. Vous comprenez? Bon, ben là, vous avez un hein, pour les hommes, hein, bien sûr. Voilà. Pour les hommes. Qu'est-ce qu'il y a là, voyons. Étagère à chaussures. 17 euros. Là, c'est des sockets home, 4 euros. Alors, tunique de plage, 10 euros. Oh, c'est joli. C'est dommage que je sois trop grosse, moi. Voilà. Si j'étais pas très grosse, ben, je pourrais porter des jolies choses. Mais bon. On va faire avec, hein. Ça c'est pour les enfants, piscine, aire de jeu, gonflage. 45 euros. C'est chouette ça. Alors c'est quoi ça? Accessoires de nettoyage. Ça c'est bien pour passer pour les radiateurs. Haut-parleur, Bluetooth. Bon, Bluetooth ça m'intéresse pas. C'est quoi ça? Parasol? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah non, chaise de camping. Je parle. Chariot de course. 35 euros, mais il a l'air bien. Hein? Ouais. Ça a l'air d'être costaud. Bouteille de champagne gonflable. Attention, hein. Attention, c'est pas du n'importe quoi. Hein? Et c'est lourd, hein? Oh la vache, c'est lourd. Le cactus. Popcorn.
Ah bien moi choisir, hein, je prends ça pour classe. La classe. Oh des mini paniers à frites. Mais bon, vaut mieux faire cuire au four les frites que dans l'huile. Oh, précieuse. Alors, ça aussi c'est bon. Je vous le montre, mais c'est pas. Ça fait des bulles, de l'eau gazeuse, donc 60 euros. Gaufrier d'Albon. Je vois pas le prix. Si, 15 euros. Vous avez la barbe à papa, appareil, 20 euros. Alors vous avez des cartables aussi, comment que vous y êtes. Alors, cartable, donc là c'est à 10 euros. Donc vous avez celui-là. Pour les garçons, et celui-là, mais ça peut aller pour les filles, ouais, plutôt pour les filles. Donc là, la housse de protection moto, vous l'avez à 10 euros. Là, vous avez des gants de moto, 20 euros. Cartable d'écolier. À 14 euros. Casque de moto, 60 euros. Protection optimale contre la buée. Oui, oui, moi je suis allée me renseigner pour moi. Voilà, parce que peut-être. Voilà, pas la moto, non, mais j'ai, voilà, je voulais acheter. Je me suis renseignée par rapport aux lois et tout, à mon assurance, donc il faut acheter le. Bon, bref. Voilà, je me suis renseignée et donc du coup maintenant il faut que j'aille à Adil, chez Adil, pour amener mon contrat. Mon contrat pour savoir si oui ou non dans mon jardin je peux mettre, si jamais j'achète, c'est pas sûr, si jamais je m'achète une mobylette ou un scooter. Voilà. Donc j'ai été déjà dans un magasin, donc voir à peu près le prix, tout ça. Donc avec toutes les options que je veux prendre, parce que moi je veux pas rouler à 45 à l'heure. Donc ça veut dire que sur les routes où c'est à 70 à l'heure, je n'ai pas envie de rouler à 45 euros à l'heure, quoi. Donc il faut changer, je crois, le pot d'échappement, il faut faire un truc au pot d'échappement, tout ça, légal, hein, bien sûr. Donc là on peut rouler à 70 à l'heure, il me semble, ou 80. Mettre un coffre,